Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand Prix de Malaisie. Nous sommes à Sepang pour vous faire vivre cette nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ravi de vous retrouver pour ensemble vivre un nouveau week-end de deux Grands Prix. Vous le voyez, il y a du soleil pour le moment avec 30 degrés dans l'air, des conditions assez habituel ici avec le soleil, donc des conditions tropicales. Et on voit ici l'équipe Sauber qui est en pleine préparation et qui souffre depuis le début de cette saison. C'est la seule équipe à ne pas avoir marqué de points. Même Renault a pu en marquer quelques-uns cette année, même s'ils ont beaucoup de mal. C'est Fernando Alonso que vous venez de voir à l'image, l'un des hommes forts que l'on attend dans ce début de week-end ici à Sepang, puisqu'il va falloir tout de suite planter le décor. Et nous sommes partis avec la première séance d'essai libre 1, une séance disputée donc sous le soleil avec, vous le voyez, Stoffel Vandoorne qui s'attaque à un tour de reconnaissance. Alors, sachez que pour ce week-end, il y aura donc trois types de pneus secs alloués, les pneus hard avec les bandes oranges, et les pneus médium à bandes blanches et les pneus soft tendres à bandes jaunes. Nous allons suivre bien évidemment la progression du week-end de Stoffel Vandoorne qui est donc leader de ce championnat mais avec désormais 20 unités d'avance depuis son retrait du Grand Prix de Singapour qui lui a porté un préjudice important en termes de points face à son adversaire Fernando Alonso. La nouveauté également, c'est ce qu'a annoncé l'équipe McLaren à l'issue de cette première séance d'essais libres, c'est l'arrêt de la recherche et du développement de cette McLaren MCL32. On va déjà se concentrer sur l'année prochaine concernant la voiture, mais ça aussi trahit quelque chose. Ça trahit la volonté que McLaren a de moins informer ses pilotes sur ce qui se passe à l'intérieur, au sein de cette voiture, parce que McLaren pense perdre l'un de ses pilotes à la fin de la saison, voire les deux. Stoffel Vandoorne et Fernando Alonso décrivent une ambiance assez médiocre depuis quelques Grands Prix. Il n'y a plus d'échange entre les ingénieurs, ça s'était vu par le passé dans d'autres grandes équipes, Senna Prost par exemple, ou encore Hamilton Rosberg lors de ces dernières années. Mais ici on arrive à un stade où ça n'est pas aussi grave que ça l'était à l'époque pour les champions que je vous ai cités, mais ici en tout cas ça pose problème et ça pourrait changer grandement la philosophie de la grille l'année prochaine. La fin du tour ici pour Stoffel Vandoorne dans cette première séance d'essai libre. Et l'on conclut la première séance d'essai libre de ce Grand Prix avec donc Fernando Alonso devant Sébastien Vettel, le tout en pneu médium. Le reste du peloton s'est retrouvé pour la plupart des pilotes en pneu hard. Et c'est à cet instant que McLaren a déclaré vouloir stopper le développement de sa voiture donc pour se tourner vers le châssis 2018. Ils estiment avoir assez d'avance pour remporter le titre face à Ferrari. Et ça nous promet donc une fin de saison plus que serrée, avec comme volonté peut-être de voir ses pilotes disparaître, en tout cas l'un des deux. Nous oublions les séances du vendredi après-midi et du samedi matin. Nous nous concentrons directement sur la séance qualificative ici en Malaisie avec, vous le voyez, des conditions absolument apocalyptiques pour débuter cet après-midi. Nous avons une température de 30 degrés, certes, mais le taux d'humidité est très important et la pluie ne fait que s'abattre depuis le matin. On a eu des séances qui ont été retardées, certaines arrêtées au drapeau rouge, et on avait peur de ne pas voir cette séance qualificative est débuté dans les temps, mais finalement la Q1, chose promise, chose due par l'organisation, eh bien, a été maintenue à l'heure officielle. Voici les images dans des conditions très très compliquées. On va suivre le premier tour de Stoffel Vandoorne, alors que vous le voyez, les conditions sont très compliquées. On a débuté avec quelques gouttes d'eau, ce qui a permis à certains pilotes de rentrer un chrono valide en pneus tendres, mais depuis impossible de pouvoir tourner avec des gommes sèches. Le grip est tout simplement trop faible et la température trop basse. Il y a donc quelques pilotes qui ont été contraints. Okay, Jeff, give me some solution to close the gap, please. Il y a donc certains pilotes qui ont été contraints de sortir en pneu intermédiaire. C'est le cas de Stoffel Vandoorne qui demande à son ingénieur Jeff, qui lui dit « tu es très loin de ton équipier Fernando », eh bien de lui trouver des solutions pour se rapprocher. Mais attention, parce qu'on a déjà vu par le passé dans ces conditions changeantes et des pilotes se faire piéger tout au long de la qualification et rester en Q1 ou en Q2. Donc il est préférable pour Stoffel Vandoorne de ne pas traîner. Pour l'instant, regardez, il est 12e avec son chrono effectué en pneu soft tout à l'heure. Il est sorti en pneu soft, mais il n'a pas rentré de chrono outre mesure depuis. Et il, regardez, reste beaucoup de voitures sans chrono à l'heure actuelle. Regardez, il y a Hamilton qui n'a pas encore tourné. Il y a Vettel qui est le titulaire pour l'instant du meilleur tour dans cette Q1, mais
et les minutes défilent et l'eau s'intensifie sur la piste. Il faut donc parer au plus pressé, se rendre le plus rapidement possible en piste pour rentrer un chrono. Regardez Stoffel Vandoorne qui sort. Ah, Stoffel Vandoorne qui est sorti de la piste, c'est très compliqué. Il sort de nouveau en pneu intermédiaire. Ah oui, des conditions très 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 difficiles ici. Et à la radio, on lui annonce que la pluie va s'intensifier. Une pluie forte est attendue dans 2 minutes. On va suivre un deuxième tour peut-être pour le pilote belge. Alors que ça rentre devant pour la voiture de Raikkonen qui n'a toujours pas de chrono. Et vous le voyez, des conditions très difficiles. Et en cette fin de tour, on va le voir. Voilà le verdict du chrono. Il ne peut améliorer. Finalement, son chrono en pneu soft sera sauvegardé. Et tout comme son équipier, il passera en Q2. Les pilotes éliminés sont notamment Romain Grosjean et Daniil Ghia, deux pilotes que l'on comptait revoir en Q2. Ce ne sera malheureusement pas le cas aujourd'hui. Conditions apocalyptiques en Q2. Nous sommes quasiment de nuit. Vous ne réglez pas votre écran. La luminosité est correcte. Il fait tout simplement nuit ici à Sepang. Regardez les conditions dans lesquelles les pilotes sont obligés de rouler. On a dû allumer les lumières dans les tribunes devant notre cabine tellement la pluie était intense et on ne voyait pas à 5 mètres. Nombreux pilotes ont été piégés. On a vu certains aller faire un tour dans le bord de piste. Mais le plus important dans l'histoire, c'est quand même qu'il faut rouler en pneu wet et qu'il faut rentrer un chrono. Et que dans ces conditions-là, vous le savez peut-être, il faut relever la voiture et la régler différemment. Sauf que vous le connaissez certainement, le règlement. Eh bien, ce dernier impose aux pilotes de conserver un setup pour le départ de la course. Il est donc impossible d'avoir une voiture aussi bien réglée pour le sec que pour la pluie. Alors on a essayé de trouver des compromis, certains ont choisi des réglages entièrement dédiés à la pluie, d'autres au sec, ce qui explique ces différences de performance. Stoffel Vandoorne nous l'a confié avant la qualification, et encore après il nous l'a confirmé, c'était pour une qualification avec un peu de pluie que j'avais réglé ma voiture, elle était beaucoup trop basse, et je souffrais d'énormément de sous-virage et d'aquaplaning en sortie de virage, la preuve encore à l'image à l'instant. Donc pour Stoffel Vandoorne, une séance qualificative très très difficile, vous le voyez, avec devant lui une Sauber, c'est Kevin Magnussen qui à ce stade-ci est le plus rapide, le pilote de la Haas. On va voir si à l'issue de ce tour, Vandoorne parvient à se qualifier en Q3 et si d'autres ont réussi peut-être à tirer leur épingle du jeu. 1 minute 57, 747 pour Sergio Perez, le pilote mexicain avec la Force India Rose. Force India qui devrait d'ailleurs peut-être changer de nom. En tout cas, c'était en discussion. Il y avait une rumeur comme quoi Bernie Ecclestone, vous le savez, évincé depuis le début de saison et remplacé par Chase Carey, le pilote, l'ex-patron de l'équipe Brabham, pourrait revenir du côté de chez Force India. Bref, ça continue d'améliorer. Carlos Sainz maintenant. It's almost like we are driving in the night. It's almost impossible to see the car in front of me. I think we're done. We're done for today. I can't do more with this car on this condition. Sorry. Sorry, Jeff. That's the fastest lap so far. Well done. Et en 1:55-1264 en pneu full wet, Vandoorne ne peut faire mieux que 11e. Il échoue pour un petit centième de seconde en Q3, tout comme Magnussen. Pour le reste, on est passé sans trop de difficultés. On notera tout de même les deux Sauber et les deux Force India éliminés à l'issue de cette qualification. Et c'est dans de toutes autres conditions que l'on se retrouve pour vivre ensemble le Grand Prix de Malaisie. Vous le voyez avec des conditions nuageuses. On vous informe également du Driver of the Day. Ça s'est joué à quelques votes, mais c'est finalement le Français Romain Grosjean qui a réussi à obtenir le titre après sa très très bonne performance du côté de Singapour. On découvre ensemble cette piste de Sepang avec, vous le voyez ici, les deux zones de DRS qui entourent les tribunes principales avec deux zones de déclenchement, bien entendu, ce qui nous promet de bien belles bagarres tout au long de ce Grand Prix qui s'annonce donc chahuté, je vous l'ai dit. Il y a des menaces de pluie réelles, même si vous le savez, ça se passe toujours de manière assez originale. C'est un petit peu comme Spa-Francorchamps ou Silverstone. Un Grand Prix de Malaisie sans pluie, ça n'est pas vraiment un Grand Prix de Malaisie. On va voir si les attentes et les habitudes qu'ont pris la Formule 1 au fil des années vont encore se répéter avec, vous le savez peut-être, une menace sur ce Grand Prix qui n'a toujours pas de contrat pour 2018. Il se pourrait d'ailleurs que l'année prochaine, la saison compte beaucoup moins de Grands Prix. On aurait des Grands Prix qui changeraient de place au calendrier, des suppressions. On parle de perdre le Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix de Malaisie. Ça fait partie des pistes en suspens, le Grand Prix de Singapour également. Bref, il y a beaucoup de choses encore à négocier et la saison est loin d'être finie. Les pneus alloués pour cette course, vous voyez donc les pneus soft à bande jaune, les médiums et les hard, on vous expliquait ça tout à l'heure.
Stoffel Vandoorne qui reçoit le rappel de son objectif aujourd'hui en course, la cinquième position à l'arrivée et surtout combler le retard avec cet homme, Fernando Alonso, qui va apparaître sur votre image. Pour l'instant, la première ligne est verrouillée par l'équipe Mercedes avec Valtteri Bottas en pole position, Raikkonen 3ème en entourant les Red Bull avec Sébastien Vettel, 7ème position pour Alonso, donc en retrait les McLaren. Belle performance des deux manœuvres issues de la qualification avec la Q3 à la clé. Esteban Ocon 13ème, le français très très loin, tout comme Perez. Daniil Ricciardo 17ème, donc éliminé en Q1, piégé par la météo, c'est dommage. Et ensuite, eh bien, on retrouve de nouveau les Williams un petit peu en retrait avec les Sauber et les Renault. Nous sommes prêts à partir pour le tour de formation de ce Grand Prix. Everything looks good on the car, everything's good. Great start, and the clutch is almost at the perfect place. So let's start to eat these tires and brakes. Et vous le voyez, tout se passe bien avec la McLaren de Stoffel Vandoorne. Tout se passe bien à bord. Pour beaucoup de pilotes, on a craint à un moment donné que la température soit trop importante pour le moteur. Ça a toujours été un Grand Prix très difficile hein, pour les blocs, et on a vu pas mal de casses par le passé ici, même assez inattendu. Et on va voir si ça va se répéter une nouvelle fois, même si, comme je vous l'ai dit, la menace de pluie est présente sur ce Grand Prix de Malaisie. Si on jette un dernier coup d'œil à la grille de départ, on va quand même mentionner, comme à l'habitude, les bons et les mauvais élèves. Belle performance de Max Verstappen hein, qui vit, comme l'année dernière, une saison difficile avec bien comme cause principale la fiabilité de son moteur et de sa voiture. Belle performance aussi pour l'équipe de Monisha Kaltenborn, dont d'ailleurs la place est en sursis. Il y aurait une rumeur de mise à pied de Monisha Kaltenborn qui serait d'ailleurs remplacée par Colin Collès. C'est la rumeur qui vient aussi en ce moment dans le paddock, mais ça a été démenti par Peter Sauber et par Monisha Kaltenborn. Donc pour l'instant, pas de tracas du côté de Pascal Wehrlein et de son équipier. On retrouve évidemment la sixième place de Sébastien Vettel à une contre-performance malgré tout. On sait que les Ferrari sont les deuxièmes meilleurs châssis moteurs du plateau. Donc ça devrait être par exemple une bonne opportunité de remonter sur Mercedes. Même si on le sait maintenant, Ferrari a bien pris l'avantage sur Mercedes avec 329 unités contre 393 pour l'équipe allemande. 11e place pour Stoffel Vandoorne. Ça n'était pas simple évidemment pour le pilote belge à l'issue de la qualif. Et enfin la 17ème place de Daniil Ricciardo qui a été piégé dans les premiers instants de la qualif hier. Les premiers pilotes sont déjà placés sur leur grille de départ. On retrouve les autres en train de revenir se placer sur leur emplacement dédié. Les pilotes sont presque prêts. Les feux vont s'allumer et nous allons pouvoir vivre le départ du Grand Prix de Malaisie. Les feux s'allument. Et c'est parti, on roule avec un envol correct, tout le monde a réussi à s'extraire, ça a été compliqué pour Kevin Magnussen, attention avec Kimi Raikkonen qui pourrait à l'intérieur mettre tout le monde d'accord. Il y a Alonso également qui plonge, les deux Mercedes sont poussés vers l'extérieur de la piste et c'est bien Raikkonen qui prend la tête du Grand Prix. Beau départ du Finlandais, attention l'état 3 de front ici, c'est l'endroit où on a l'habitude de perdre l'un ou l'autre morceau de carbone. Ça passe sans problème dans ces premiers enchaînements ici. Et on retrouve bien donc les deux Mercedes qui ont été battus par Raikkonen et par Alonso. Attention parce que les Red Bull sont peut-être en train d'aller titiller déjà les deux machines noires. Et on notera aussi le bon départ de la Manor avec à l'extérieur Vandoorne qui va peut-être attaquer. À Vandoorne et Vettel qui doivent remonter. Ici c'est la Manor qui va se laisser déjà dépasser. Vandoorne qui essaie à l'intérieur, ça ne passe pas. Vettel va peut-être pouvoir en profiter. Allez, en caméra embarquée avec le pilote allemand, Vandoorne à l'intérieur, il va déboîter sur les freins peut-être. Vettel qui va aussi s'infiltrer pour gagner la 8ème place peut-être face à Rio Arianto. Non, l'Indonésien qui garde son avantage. Nous avons donc en tête Kimi Raikkonen avec la Ferrari. Alors que son équipier est toujours en difficulté hein, derrière. Ah oui, c'est un premier tour correct, mais avec quelques surprises tout de même. Les Force India sont pas mal non plus. On a vu la Williams de Lance Stroll qui s'est bien élancée.
Et on a une attaque devant entre les deux Mercedes, c'est chaud, et Vettel qui va aller chercher au Sergio Toro à l'intérieur là. Toro Rosso, ils sont à 3-2 de front dans l'épingle. Oh, ça va se jouer, pas grand chose, et là Toro Rosso qui passe. Oh, que c'était osé, mais qui est là en train de se battre avec Vettel? Je crois bien que c'est Daniil Kvyat. Raté, c'était Carlos Sainz qui avait pris un bien meilleur envol parce que Kvyat était parti 17ème. Ça barde encore entre les deux Mercedes, on va mettre deux roues dans l'herbe et ça profite à ceux qui sont derrière. Regardez la McLaren de Stoffel Vandoorne qui revient très très fort et qui va déboîter sur la voiture de Verstappen. Est-ce qu'il peut compléter le dépassement dans cette épingle? Oh, Vandoorne, deux roues dans l'herbe. Eh bien, il a réussi à prendre l'avantage sur le Néerlandais. En caméra embarquée maintenant pour suivre peut-être une prochaine attaque sur la Mercedes. Et on se sent désormais bien confiant chez McLaren. Vandoorne dans le gravier, attention. Oh, Vandoorne qui est allé bien au large. Oh, et qui ressort de nouveau. Oh, Vandoorne qui est très très large dans l'AstroTurf. Ouais, et il n'en faut pas plus à... Eh bien, Max Verstappen pour reprendre son du. Derrière, on voit toujours Sainz à l'explication avec Sébastien Vettel. Ah, il y a des bagarres hein, dans ce tout premier stint ici. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est aussi la différence de gomme avec d'un côté Vandoorne en hard, avec derrière lui Sainz en médium et devant lui la voiture de Verstappen en pneu tendre. Et ce deuxième tour qui voit donc Raikkonen augmenter son avance sur Fernando Alonso. Les deux Mercedes sont là. Ensuite on retrouve Verstappen, Vandoorne, voilà Raikkonen le leader. Regardez, on a vu et déjà Alonso loin derrière. Est-ce que McLaren, en arrêtant le développement de sa voiture, n'a pas tout simplement porté préjudice à son titre constructeur? On va le voir. En tout cas, pour l'instant, c'est une Ferrari qui mène ce Grand Prix. Retour dans le fond de la course avec oh là là, les deux Sauber BMW qui sont à la bagarre. Avec Ericsson qui prend l'avantage sur Verlaine. Verlaine qui n'a pas dit son dernier mot. On se bat ici pour une hypothétique 20e position pour le moment. Avec des compositions de gomme différentes en pneu hard, est-ce que Verlaine peut faire la différence? Oui. Il y a l'avantage du côté du pilote allemand, mais ça résiste pour Ericsson. Oh là là, il faudrait pas qu'ils s'accrochent. Déjà qu'ils ont failli perdre leur patronne ce matin. Si en plus ils perdent leur nerf, ça va commencer à faire beaucoup. Retour avec Vandoorne qui se bat. Il va tenter peut-être d'attaquer la voiture de Verstappen poussée à l'extérieur. À Verstappen, attention, qui n'est pas sur la bonne trajectoire. Vandoorne qui croise et qui passe. Vandoorne qui passe et qui se retrouve donc désormais derrière Verstappen. Oh, ça passe très très fin pour Vandoorne. Alors, on le sent à l'aise avec les pneumatiques, mais c'était tout juste là avec le plomb. On revoit le départ de ce Grand Prix de Malaisie avec Esteban Ocon, le Français. Depuis la Force India, il partait juste derrière la voiture de Stoffel Vandoorne. On s'est bien élancé du côté droit. Ça a été plus compliqué du côté gauche. On a vu le départ complètement loupé de la voiture de, je crois, Kevin Magnussen. Regardez, il fait l'extérieur et il parvient à tenter de passer. Ouais, Vandoorne. Et là, c'était le sandwich. Ouais, il a touché son équipier. Et je me demande s'il n'a pas également été au contact avec Lance Stroll qui avait pris, c'est lui, et là Williams qui avait pris un bon envol. En tout cas, ça a été faire du frotti-frotta pour Esteban Ocon. Ah, le départ depuis la voiture de Max Verstappen. Verstappen qui a été enfermé. Ah, et touché par son équipier. On voit qu'il n'est pas content. Il a été légèrement poussé par Ricciardo. Et regardez, à 3 de front devant, Alonso qui met tout le monde d'accord. Bien joué. Et Verstappen qui a préféré jouer la sécurité. Le départ avec Lewis Hamilton maintenant, qui prend un meilleur envol hein, que Valtteri Bottas. Pourtant, il était bien du côté droit de la piste, Bottas. Donc, comme quoi, ce n'était pas une condition acquise. Comme quoi, on partait mieux du côté droit. Ça a beaucoup fait parler entre la séance de qualif est aujourd'hui. Regardez à l'intérieur, on voit là-bas Raikkonen qui dit au revoir à tout le monde et qui est passé. Mais là, c'est vrai qu'à 3 de front, difficile hein, de réaccélérer de manière optimale. Et Alonso qui va émerger sur la droite de l'image. Et la voiture de Valtteri Bottas également. Hamilton qui aura tout tenté pour résister. Mais là, il était très très mal placé à l'extérieur. Il devait absolument céder l'avantage. Retour au direct. Retour au direct avec la lutte pour la troisième marche du podium. Daniel Ricciardo, l'Australien, est devant
Lewis Hamilton. C'est passé pour le sympathique Australien. Et va-t-il résister avec le DRS de la Mercedes? On sait que le bloc a un léger désavantage dans la Red Bull. Ouais, ça va jouer tout simplement avec l'aspiration du côté d'Hamilton qui complète un dépassement quasiment d'école face à la Red Bull. Et Ricardo qui est donc battu au bout de cette ligne droite. Et ça permettra peut-être cette bagarre et bien de voir revenir un certain Stoffel Vandoorne derrière les deux protagonistes en lutte pour la troisième marche du podium. Voilà Stoffel Vandoorne, les images depuis l'arceau du pilote belge. Beaucoup d'informations demandées par Stoffel Vandoorne à la radio et à son ingénieur, et pour l'instant il enchaîne les secteurs dans le mauve. Le Belge, tout va bien. Jeff, please, I need a full update on Fernando. I need a full update on Fernando's situation, please. Fernando's currently in P2. P gap to teammate is 3.9 seconds. They're on old hards. The time last lap was a 1:39.6. Et on donne à Vandoorne la mise à jour sur la situation d'Alonso. C'est ce qu'il a demandé à la radio. Où en est Fernando? Quels sont ses tours chrono? Que fait-il en ce moment? Pour voir s'il peut toujours calquer sa stratégie sur son équipier. Parce qu'au-delà de Fernando Alonso, il n'y a pas vraiment d'adversaire pour Vandoorne au championnat. Et Vandoorne qui vient d'inscrire le meilleur tour en course en 1:38.741. Et regardez, je vous le disais, la bataille entre Hamilton et Ricardo qui va peut-être profiter au cours 13e qui fait la jonction et se mêle désormais à la bagarre qui oppose les trois pilotes pour la dernière marche du podium. Et ça s'annonce chaud derrière aussi, on a vu que Bottas résistait. Bottas qui est plus en difficulté que Lewis Hamilton. Attention, l'attaque de Vandoorne très incisive à l'intérieur sur la Red Bull. Est-ce qu'il va tenter de faire le même coup que tout à l'heure? Ça n'est pas impossible, il est à l'intérieur, ils sont côte à côte à la caméra qui se trompe de voiture. Voilà, Ricardo. Bataille pour la troisième place entre l'Australien et le Belge. Hamilton qui n'en demande pas plus pour fuir un petit peu et prendre de l'aise et de l'air. Ce dont on ne manque pas, alors dans cette carrière, vous le savez, on vous propose les Grands Prix avec le temps réel. Et je peux vous dire qu'avec les conditions actuelles, de mon studio et de ma cabine, j'ai vraiment la sensation d'être vraiment en direct depuis la Malaisie parce que, il fait vraiment très chaud et humide et il ne me serait pas surprenant de voir quelques moteurs cassés dans les prochaines minutes parce que ça chauffe. Attention, Ricardo qui est attaqué par Vandoorne avec l'aide du DRS pour se défendre et attention, il va freiner tard, Fernando, et ça rentre, ça plonge pour Hamilton et pour Ricardo. Et oui, Vandoorne qui a le luxe de pouvoir rester plus longtemps avec ses gommes hard. Et il devait être, à mon avis, assez surpris de voir le rythme qu'il parvenait à tenir face à ses adversaires. Que va-t-on monter à Lewis Hamilton? Il était en soft, va-t-il repartir en hard? Et c'est le cas également pour Ricardo. Alors, la suite du peloton. Ici, on voit la voiture de Daniil Kvyat qui rentre. On est près chez Williams, on est près chez Sauber, on est près chez Manor. Allez, on accueille Daniil Kvyat qui a une stratégie peut-être à jouer, lui qui partait 17e sur la grille de départ. L'arrêt de Romain Grosjean, le Français qui chausse également pour la même stratégie des pneus hard. Oh, il est un petit peu arrêté. Il devait bien laisser passer la voiture de, je pense, Daniil Kvyat qui ressortait juste derrière le stand de l'équipe américaine. Alors qu'on demande un arrêt déjà au 7e tour pour Vandoorne avec les pneus hard. Ça, c'est surprenant. Un autre qui se débrouille bien avec ses pneus durs, c'est le Français Esteban Ocon avec sa Force India Mercedes. Il est pour l'instant bien placé en sandwich entre les pilotes de l'équipe Manor et la Haas. Il est également en pneus durs, ce qui n'est pas le cas derrière, vous le voyez. Jeff, I have a great feel on the car. The hard tires are good and the lap times are consistent. So we don't need to pit now, we can continue for me. Was the fastest lap of the race so far.
Huitième tour de course et vous l'avez entendu, Van Doorn a dit à son ingénieur « Je n'ai pas besoin de rentrer, je suis satisfait du comportement de la voiture, les pneus tiennent » et ça c'est une information importante parce que la stratégie va avoir son rôle à jouer et avec les conditions climatiques qui seront les nôtres dans quelques minutes, avec la menace de pluie, vous ne le voyez pas mais je vois tout au loin des nuages se présenter, vous le voyez peut-être, regardez, voilà le ciel qui est complètement bouché là sur cet angle de vue. On va entamer le troisième secteur avec eh bien, un ciel chargé de nombreux nuages et je ne serai pas surpris. Eh bien, je ne serai pas surpris de voir certains pilotes rentrer pour une autre stratégie. Raikkonen, le leader, qui va aussi peut-être plonger. Oui, il s'écarte de la trajectoire idéale et ça rentre pour le Finlandais. Regardez les marbles immédiatement collectés en quittant la trajectoire. On perd beaucoup de gomme hein, ici. Oh, attention à la limitation de vitesse. Kimi Raikkonen qui laisse donc Fernando Alonso en tant que leader de ce Grand Prix de Malaisie. Et je pense que chez McLaren, eh bien on est en train de mettre ses yeux dans le même panier. Va-t-on avoir droit à deux relais en pneus hard ou un relais en pneus soft après le relais en pneus hard? Rien n'est impossible. Regardez Lewis Hamilton qui lui se décide de chausser une deuxième fois les pneus médiums. C'est intéressant et je pense que Sainz est sur la même stratégie. Voilà l'Espagnol pour qui l'arrêt au stand se passe sans problème. Et le Danois Kevin Magnussen qui se retrouve à nouveau du côté des box. Deuxième train de pneus tendres pour l'équipe américaine qui, elle, n'a par contre pas mis ses deux pilotes sur la même stratégie. Alors que Van Doorn demande des informations sur la pluie ou sur l'évolution de la météo avec ses nuages et on le comprend bien. Et je pense pas que la réponse qui lui a été adressée était celle attendue par le pilote McLaren. On n'a pas d'informations à ce sujet. Voilà, comme ça c'est dit. Et regardez, désormais, on a le plaisir de constater que les deux McLaren se retrouvent dans la même image. Et donc on a Hamilton qui ressort des boxes et qui fait un très très bon premier secteur avec ses nouveaux pneus tendres. Il est le plus rapide pour le moment, le pilote britannique. Non, non, Jeff, next lap, we can do one more lap on these tires, one more lap. Un tour de plus pour Stoffel Vandoorn et pour Fernando Alonso. Alors est-ce que Vandoorn va avoir le choix de rentrer quand il veut, puisque comme le veut la logique en Formule 1, vous le savez, c'est le pilote qui est premier sur la piste au sein d'une équipe qui a toujours l'avantage de la stratégie. C'est-à-dire que pour le moment, eh bien, c'est le pilote en tête, Fernando Alonso, qui doit décider de quand lui veut rentrer. Alors que regardez, on est à plus de 50% d'usure sur les pneumatiques du pilote belge. Et malgré tout cela, ça reste constant, ça reste correct. Attention, ici on a Arianto qui se bat avec Sergio Perez. Les deux pilotes sont en pneu hard. Le Mexicain sur l'extérieur va-t-il garder l'avantage? On se bat ici pour une quatrième position. Et la Manor qui résiste, la Manor qui reprend un petit peu du poil de la bête après le passage à vide post-Bakou. Et incroyable ce que Vandoorn arrive à faire avec ses gommes. Stoffel Vandoorn bien installé, deuxième avec les hard. Raikkonen est troisième avec les médiums. Donc pour l'instant, il y a peut-être une stratégie qui est en train de s'installer du côté de chez McLaren. Où si la pluie arrive, on peut chausser un deuxième train de pneus tendres ou médiums. Et ensuite passer, pourquoi pas, des pluies ou des intermédiaires. Restons tout de même sur la réserve parce que là, ça demande une précision au niveau de la prédiction météorologique assez incroyable. On a déjà vu des coups de poker comme ça par le passé, mais de la part des deux pilotes, surtout à ce stade-là de la compétition et à leur position au championnat, ça me semble difficile à croire. Et Vandoorn qui plonge. Attention, c'est Vandoorn qui s'arrête en premier finalement. Allez, Stoffel dans les box, la limite à 80 km/h. Eh bien, j'aurais quand même mis un petit billet sur Alonso au box en premier. Et elle est longue cette pitlane, elle est très très longue ici à Kuala Lumpur. L'arrêt au box de Vandoorn et on remet un deuxième train de pneus hard. Alors techniquement, Alonso va faire aussi 12 tours. Et Vandoorn qui ressort entre les deux Force India qui sont en bagarre chacune avec les deux Manor. On voit Gutiérrez ici à la lutte. Oh, Gutiérrez qui s'est, je pense, retrouvé au contact avec la voiture d'Esteban Ocon.
Voilà, juste devant, il y a Gutiérrez avec qui nous étions il y a un instant. Vandoorne est au milieu et dans le fond de l'image, il reste les deux autres pilotes en lutte pour la troisième place. Donc, Rio Oriento et Sergio Pérez. Voilà, avec Vandoorne qui a donc des pneus neufs. L'attaque incisive sur Pérez, est-ce que ça peut passer pour Vandoorne? Oui, Pérez qui est allé un petit peu dans les choux là sur l'AstroTurf. Le Belge est désormais devant. Prochaine cible, Rio Oriento et l'undercut de Vandoorne. S'il n'est pas trop gêné, pourrait fonctionner. Mais là, il perd du temps avec les pilotes en fin de vie sur leur pneumatique. Superbe caméra placée en bord de piste pour apprécier l'action au plus près. Sur ce tracé de Kuala Lumpur. Oh, ça s'est loupé. Vandoorne qui a tenté d'attaquer, mais il s'est raté. Et du coup, Oriento reprend l'avantage. Un Indonésien qui fait sa course, évidemment. Il n'y a pas de consigne de drapeau bleu, même si je pense que voilà. Oh, Vandoorne qui bloque les roues. Eh bien, ça n'était pas gagné, mais Vandoorne s'est débarrassé de la voiture d'Oriento au moment où son équipier rentre au box. Seconds. 26 secondes de retard sur Fernando Alonso, le leader. C'est ce que l'on vient de dire à Astoffel à la radio. Oh, bien compter qu'il y a encore un arrêt pour Fernando. Évidemment, on suit le passage au box avec la même stratégie. Évidemment, on a pu être un petit peu plus long sur les gommes pour les manors. Oh, Vandoorne qui est dans le gravier, qu'est-ce qui se passe? Vandoorne qui est sorti de la piste. La McLaren qui revient mais qui a perdu deux positions. Pérez et Oriento sont passés. I just missed my breaking point at the turn 3, so I'm back on the track, but I lost a lot of temperature on the tires, so yeah, my fault, absolutely my fault. Vandoorne à la faute, Vandoorne à la faute, et je pense que l'on devrait voir plonger à la fin de ce tour, Fernando Alonso. Allez, petite mise à jour et Alonso au box. Alonso qui rentre, la tribune devant nous s'est levée au moment où le taureau des Asturies plonge dans la pit lane. Ah, et une première information concernant la météo qui nous vient de la part de la FIA. Une pluie fine est attendue dans 15 minutes. Attention, parce qu'on est au cap de la mi-course quasiment. Et Vandoorne qui, je pense, sans sa sortie de piste, pouvait peut-être espérer faire la jonction avec Alonso. Ah, c'est un peu long comme arrêt. 3 secondes 2. Peut-être perdu une demi-seconde là du côté d'Alonso qui ressort. Et oui, regardez, Vandoorne qui est bloqué. Vandoorne qui est bloqué derrière les deux Mercedes. Il va avoir le DRS, il va aller attaquer sur la gauche la voiture de Valtteri Bottas. Oh, ils vont se retrouver à 3 de front. Bottas qui choisit la droite, Vandoorne la gauche. Hamilton est au milieu, c'est magnifique. Oh, le remake de Spa il y a 17 ans. Vandoorne à droite, vous l'entendez. Avec Bottas à gauche, la foule qui est debout. Ah, on a entendu un cri dans la foule avec ce dépassement magnifique de Bottas sur Vandoorne. Et Bottas qui a donc placé sa machine à droite d'Hamilton. J'en reviens pas de ce qui vient de se passer. Petite update sur l'écart avec Bottas, mais Hamilton en pneu hard qui s'est fait déposer totalement. Hop, c'est large pour Vandoorne. Mais quel retour de Valtteri Bottas, absolument superbe. L'attaque au DRS face à son équipier qui ne pouvait rien faire. Je rappelle que Bottas est en pneu soft. Hein. Bottas est en pneu soft, donc Vandoorne va peut-être avoir un peu plus de mal à combler l'écart. Mais sur la longévité d'un deuxième run, Vandoorne peut peut-être avoir l'avantage en fin de stint. On va voir, regardez. Vandoorne avec l'écart face à Hamilton. Et ils sont là tous les 7 dans la ligne droite. Ils passent juste devant nous après le premier relais. C'est très très proche comme écart. On a vu Bottas et Vandoorne légèrement bloquer leur pneumatique à la fin de la ligne droite. On voit derrière que ça revient pour la Red Bull. Sans doute Daniel Ricciardo qui se bagarre avec Sainz. Sainz toujours dans les bons coups. Allez, Bottas menacé par un Vandoorne qui a remis de la température dans ses pneus après... Hop, l'escapade en bord de piste. C'est de nouveau deux roues dans le gravier pour Vandoorne qui glisse beaucoup.
Et quelle bagarre, on a laissé le son de cette McLaren Honda pour vous essayer à la sensation de devenir pilote de Formule 1. Alors on n'a pas encore évoqué le driver of the day, le pilote du jour, mais pour le Grand Prix précédent, ça a été Romain Grosjean, le Français, qui a été élu à deux voix près. Ça s'est joué à quelques dixièmes de pourcent, effectivement, avec plus de 100 votants. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous rendre dans la description ou en commentaire en dessous de ce direct de ce Grand Prix de Kuala Lumpur pour retrouver le lien pour voter pour votre pilote du jour. Ce sera peut-être cet homme, Rio Arianto, qui se bat ici avec un Lance Stroll qui est à son affaire. Pour le moment, 12e place pour la Williams, c'est pas mal au vu des conditions météorologiques. Mais voilà, vous avez un lien dans la description et en commentaire vous permettant de vous rendre sur un straw poll sur lequel vous allez pouvoir voter pour votre pilote du jour ici en Malaisie, que ce soit positif ou négatif. À vous de sélectionner qui sera le plus marquant à l'issue de ces tours de course. Ces 28 tours ont été quasiment parcourus. On vient de passer le cap de la mi-parcours avec Van Dorn. Van Dorn, dont on informe d'ailleurs que son rythme est assez bon, il est plus rapide dans le premier secteur. Et derrière Valtteri Bottas, Van Dorn et Hamilton tentent de se rapprocher. Le DRS pour Ricciardo, alors qu'on attend de la pluie désormais. Pluie faible annoncée dans 10 minutes avant les premières gouttes de pluie. Alors tout ceci est estimé avec la station météorologique de la FIA, qui est neutre, qui ne dépend pas de celle des équipes, qui est parfois un peu plus précise ou un peu plus complète sur le sens d'où ça va arriver, de quel virage, etc. On n'en est pas là, on sait qu'il pourrait pleuvoir d'ici 15 minutes. Sébastien Vettel, toujours à la lutte avec la voiture de Daniel Ricciardo. Bottas, 3e. Alonso et Raikkonen sont devant, on ne les voit même pas tellement ils sont loin. Et Bottas et Van Dorn qui ont finalement le même rythme, ce qui est étonnant quand on voit que Bottas est en pneu médium. Allez, regardez, Ricciardo ici avec Vettel, toujours. Le tout derrière un Carlos Sainz qui n'en demande pas plus pour gagner du temps. La lutte entre les deux champions derrière lui, Ricciardo et Vettel. Le driver of the day, évidemment, on vous le rappelle une nouvelle fois. Et que c'est proche entre eux. Vettel et Ricciardo, deux pilotes qui sont également très très proches, c'est Stoffel Van Dorn et son opposant direct Valtteri Bottas. Alors on avait une petite éclaircie sur le circuit de Singapour la dernière fois, on avait eu des menaces de pluie pendant le Grand Prix, on ne le voyait pas, mais ici par contre c'est tout à fait clair en Malaisie. Regardez l'état du ciel et regardez le DRS de Van Dorn qui va déboîter et qui va tenter peut-être de passer. Regardez Bottas qui bloque sa roue. Oh, qui résiste quand même. Oh, Bottas qui donne le coup de volant pour essayer de passer. Oh, Bottas qui a tenté d'empêcher Van Dorn de réaccélérer avec son coup de roue. C'est clairement l'explication du moment sur cette piste ici, alors que les nuages continuent d'affluer au-dessus de cette piste. Va-t-on avoir droit à une stratégie à deux arrêts? Oh, alors que Van Dorn, je crois, a arraché le plot de la deuxième épingle, et oui, effectivement, Stoffel Van Dorn qui a arraché le plot. Van Dorn qui est très large, oh là là. Attention, peut-être que les pneumatiques de Van Dorn ont surchauffé. Ce qui est bizarre parce qu'il fonctionnait très très bien au stint précédent, peut-être des pressions différentes. Regardez la trajectoire assez approximative là de Van Dorn qui est un petit peu en train de naviguer. Il n'y a pas d'autre terme avant que la pluie tombe, et en train de naviguer sur cette piste. Regardez, oui, il a beaucoup de mal. Alors que Bottas, lui, tient une ligne parfaite. Ouais, deux roues dans... Ouais, dans le bord de piste, Van Dorn qui est en difficulté, c'est désormais clair. Va-t-on retrouver dans des conditions un peu plus faciles les pilotes dans un instant avec les premières gouttes de pluie qui sont attendues dans quelques minutes? Ah, on est vraiment en train de patienter pour voir qui va être le premier à plonger au stand si c'est nécessaire, parce que on se rappelle, hein, dans le passé, il y a eu des Grands Prix ici absolument... torrentiel en 2001 notamment, ou en 2009, ça a été très très compliqué. Au drapeau rouge pour les conditions météo, mais on continue de venir en Malaisie, mais ce ne sera peut-être pas le cas, je le disais, l'année prochaine ou en termes de... Ah, arrêt pour la voiture de Lewis Hamilton, je pense.
Eh oui, ça semble-t-il être Lewis Hamilton qui rentre et Bottas qui attaque Van Dorn. Oh, Bottas à l'intérieur peut-être sur Stoffel Van Dorn. Oh, et c'est passé, c'est passé. C'est passé pour Valtteri Bottas qui reprend son dû, mais Van Dorn qui, vous le voyez sur le pneu gauche, a pris pas mal de marbles. Attention, parce que si Van Dorn est en délicatesse sur le freinage, ça s'annonce compliqué. Il revient à la relance peut-être pour aller chercher la Mercedes. Ici, c'est difficile de créer une contre-trajectoire. Van Dorn très proche de la boîte de vitesse du Finlandais. Oh, il plonge à l'intérieur, ça résiste. Bottas qui n'a pas bronché, bravo au Finlandais pour sa résistance là. C'est pas gagné. Et Bottas qui est peut-être en train de chercher à aider son équipier rentrer au box. Okay, at this rate we'll finish with a little extra fuel, so you have some in hand to run a faster engine mode for a bit. Allez, on demande à Van Dorn comment se passe la consommation de carburant et que si nécessaire, eh bien il peut en redemander à sa voiture pour tenter d'attaquer dans les 10 derniers tours de ce Grand Prix de Malaisie, alors que je ne sais pas, mais je vois des gens ouvrir leur parapluie, mais c'est au fond du circuit alors que Van Dorn attaque Bottas au moment où il rentre. Bottas qui rentre, alors est-ce qu'on va avoir droit à des pneus médium ou à des pneus soft pour le Finlandais? Oh, il remonte des pneus hard. Oh, on remonte des pneus hard avec la pluie qui arrive et on a dû attendre puisqu'il fallait laisser passer. Valtteri Bottas qui a dû laisser passer Carlos Sainz qui est rentré au box. Et tout le monde remet des pneus hard. Il ne va peut-être pas pleuvoir suffisamment, c'est pas impossible, mais avec les moins de 10 tours restants, j'aurais espéré des pilotes un peu plus audacieux avec d'autres choix de pneumatiques. C'est la même chose pour Lance Stroll. Alors que là, par contre, au niveau de l'humidité et de la chaleur, ça va commencer à faire souffrir les pneus. Alors, Magnussen, aussi des hard. Et bien voilà, tout le monde joue la sécurité, visiblement. Alors, ici, c'est Felipe Massa qu'on n'a pas encore vu à l'antenne. Aïe, 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 Verstappen qui est en difficulté. Et la pluie faible attendue dans 5 minutes maintenant. Pour l'instant, la FIA qui respecte son timing puisque la dernière annonce date d'il y a 5 minutes, donc c'est logique. Et oh, il y a des gouttes, il y a des gouttes sur cette Force India. Est-ce que les 5 minutes pour monter les pneus pluie sont déjà passées? Ça a l'air de tenir pour l'instant. Alors, on a effectivement, oui, des gens qui ouvrent des parapluies, mais ça ne se passe pas devant nous. Oh, la casse du moteur d'Esteban Ocon, le Français qui doit retirer sa Force India. C'est catastrophique. Attention, drapeau jaune dans le troisième secteur et voiture de sécurité virtuelle. Et il y a des gouttes qui tombent sur la voiture de Van Dorn. Regardez le cockpit de la McLaren sous les gouttes. Et on demande des pneus intermédiaires du côté de Van Dorn. Voilà, voiture de sécurité virtuelle pour Alonso. Et des gouttes de pluie sont rapportées dans le troisième secteur. Et voilà. Et la Force India qui est poussée en dehors du secteur où elle était. Les commissaires n'étaient pas très très loin pour intervenir. Et attention parce que la fin de course va peut-être s'emballer avec la météo comme peut-être juge du verdict final de cette course. On a donc la fin de la procédure de safety car virtuelle. Mais regardez, s'il n'y a pas de gerbe d'eau levée par les pneumatiques arrière des voitures, il y a de l'eau qui tombe et elle est en train de s'accumuler sur cette piste de Singapour. I agree on that. Not ready for inters, but prepare the tires just in case the rain increases in the next second. So be prepared to get the car back on the garage in the next
lap. Please, Jeff, confirm the information, please. Alors du côté de Mercedes et de McLaren, on prépare le coup avec les pneus intermédiaires qui sont sortis. Vous ne le voyez pas devant nous, mais on voit que ça commence à chauffer. Regardez le timing parfait, tout simplement, des deux pilotes McLaren qui se sont retrouvés avec deux trains de pneus hard. Les pilotes McLaren se retrouvent donc devant avec deux arrêts probables. Un seul arrêt, changement de pneus, deux runs en pneus hard. Et peut-être maintenant, eh bien face aux autres, de quoi attendre les pneus intermédiaires. Regardez, 50% d'usure sur l'arrière gauche, le pneu le plus eh bien mis à l'épreuve dans ce Grand Prix. Oh, ça glisse pour Van Dorn. Va falloir rentrer rapidement. Regardez le survirage aussi. Là, il y a beaucoup d'eau dans ce troisième secteur. Ça commence à tomber. Lance Stroll à la bagarre avec Julian Palmer. Et Palmer qui rentre. Julian Palmer au box. Et ça permet tout cela eh bien, à Lance Stroll de gagner des positions. Il est 14e, le pilote canadien. Hop, avec Kevin Magnussen maintenant à la lutte avec Felipe Massa. Et là, il y a de l'eau. Hein. Là, il y a de l'eau et ceux-là ont décidé de continuer. Maintenant, on voit les premières gerbes d'eau sortir des pneumatiques. Ça veut dire que là, n'importe qui peut se faire piéger par l'aquaplaning. Et on va rester attentif pour l'instant. Personne n'est parti à la faute encore à cause des conditions de pluie. Mais ça, regardez, Van Dorn qui n'arrive plus à passer la puissance au sol. Va-t-il rentrer à la fin de ce tour ? Oh, et deux roues dans l'air pour Van Dorn alors qu'il rentrait au box. Montée des intermédiaires. Van Dorn qui réédite avec un nouvel undercut comme tout à l'heure face à Fernando Alonso. Allez, on sort tout chez Ferrari pour les intermédiaires et la direction de course qui déclare la course humide. Et donc, le DRS, le Drag Reduction System, cet aileron arrière mobile n'est donc plus utilisable. Attention parce que cet arrêt-là, il va être important pour les mécanos. Et on ne rajoute pas d'appui pour Van Dorn. Ça ressort. Great stop, boys. Great stop. Amazing job. Deux secondes neuf, c'est pas vraiment un amazing job de la part de Stoffel, mais bon, on prend soin de soigner les relations publiques hein, du côté de McLaren. Attention, Hamilton qui est gêné, qui doit laisser rentrer la Ferrari. Ah, et la Ferrari qui de toute manière est elle-même gênée par l'une des Red Bull. Sainz au box, et tout le monde chose des intermédiaires. Là, ça rentre. On rentre chez Williams, chez Manor, avec Gutiérrez, le premier à chausser et les gommes pour piste humide. Allez, la sortie des box. Et Verstappen ici. Alors on a fait un double arrêt chez Red Bull, chez Toro Rosso également. Voilà, Daniel Gatt reçoit ses gommes. Regardez ici, on est toujours en pneus slick pour les hommes de tête avec les deux Sauber BMW. Et Alonso qui rentre. Et on va voir s'il a perdu du temps face à Van Dorn avec ce tour supplémentaire effectué. Chaussée de gomme tendre, de gomme sèche en tout cas. Le limiteur pour l'Asturien. Pas stoppé hein, du côté de chez. Chez McLaren. Allez, c'est bien parti. Très bon arrêt également pour Alonso. On ressort également du côté de Pascal Wehrlein. Et Alonso qui donc garde la tête de ce Grand Prix de Malaisie. On va voir l'écart avec Stoffel. Voilà Stoffel qui passe maintenant devant la ligne. Donc il y a peut-être 10-12 secondes d'écart entre les deux. Et Raikkonen derrière qui depuis... Oh, Van Dorn qui s'est loupé. Alors que, oh là là, Bottas n'avait pas encore chaussé les pneus intermédiaires. Terrible, terrible pour le Finlandais. Peut-être perdu très cher avec ses deux tours, lui, supplémentaires. Bon, soyons attentifs, wait and see. Donc Alonso est donc en tête et McLaren qui a fait, je pense, le coup stratégique. Hein. Un peu moins de 10 secondes de retard pour Van Dorn sur Alonso. Et on est proche des conditions apocalyptiques ici. Ça rentre encore au box. Attention parce qu'on a une... Force India, c'est Perez qui se bat avec Daniil Kvyat, effectivement. Et on est pour le point de la 10e place. Et même la 9e maintenant avec les pilotes au box. La 8e, ouais, on gagne des places. Ceux-là se battent pour des points. C'est important pour tout le monde, les points à ce stade-ci de la saison. Tant pour Toro Rosso qui doit remonter sur Manor. On rappelle, Manor 89 unités.
cinquième force du plateau. Alors ils sont certes loin de Red Bull qui cumule 167 points. Donc, oh, Van Dorn qui est sorti. Van Dorn qui est sorti, attention, il repart par l'AstroTurf, mais il perd du temps. Allez, Vettel qui chausse ses pneus intermédiaires. Il y a beaucoup de pilotes qui ont mis du temps à rentrer au box. Marcus Ericsson qui sort des box, tout comme la Renault de Julian Palmer sous le nez de Van Dorn. Non, c'est Hülkenberg, autant pour moi. Et Nico Hülkenberg qui rentre. Ok, Jeff, 5 laps remain on the fuel tank. I think we have to keep this rhythm for the end of the race. Impossible to catch Fernando. Le message est clair pour Van Dorn, impossible d'aller chercher Fernando Alonso. Il faut donc garder le rythme instauré tout au long de cette et voilà, impossible d'aller chercher Alonso. Oh, la grosse dérive de Van Dorn. Ah oui, il attaque malgré tout, hein. Van Dorn qui attaque. Alors, le driver of the day, et bien pour moi il y a plusieurs candidats pour le moment. Bon, je serais quand même pour Fernando Alonso, hein, qui a quand même réussi un très joli coup de poker au départ. L'intermédiaire reste le meilleur choix pour l'ingénieur de Van Dorn. Regardez, Stoffel Van Dorn qui perd du temps. Il perd du temps sur Raikkonen. On le voit, il y avait 13 secondes à sa sortie des box. Il n'y en a plus que 7-8 maintenant. En partie dû aux erreurs du Belge. Regardez, voilà, Raikkonen dans le fond de l'image. Pas encore sur la même image. Van Dorn toujours très large. Oh là 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 là, et la prise de risque est maximale pour ses pilotes en tête. Van Dorn qui doit se défendre, il perdrait de nouveau 7 points au classement pilote. On perdrait encore du temps. Alors au niveau des points, 252 pour Van Dorn, 232 pour Alonso, qui remonterait donc avec 7 unités, laissant ainsi 13 points entre lui et Van Dorn. Ça va être une lutte jusqu'à la fin de saison pour ce titre entre les deux. Pour l'instant, Van Dorn a mené la plus grande partie de la saison, mais depuis quelques Grands Prix, ça ne va plus comme avant. La voiture a légèrement changé de comportement. Il disait que ça lui convenait un peu moins, qu'il était plus sensible au comportement de la voiture en début de saison, et finalement, ça ne va pas, même si le châssis reste tout à fait à la hauteur des performances demandées par McLaren. Et on attend une pluie forte dans 10 minutes. Alors, je ne sais pas si ce sera suffisant. Ah, voiture arrêtée au poste numéro 5. C'est au bout de la ligne droite. On va voir avec Van Dorn. Ah oui, regardez, sur la gauche de l'image, il y a une voiture qui est stoppée. Alors, qui est arrêtée sur nos écrans? Je cherche le pilote impliqué dans ce souci. Oh, et ce serait... Oui, c'est Lance Stroll qui est stoppé au bout de la ligne droite. La Williams du Canadien qui est à l'arrêt. Ah, quel dommage. Ah, on avait prévu des moteurs qui allaient souffrir. Le deuxième vient de lâcher après le bloc Mercedes d'Esteban Ocon. C'est de nouveau un bloc allemand qui fait défaut à son pilote. I'm losing more than a second on Raikkonen and I can't do anything. It's just too dangerous on these inner tires. The car is everywhere and I think we can hold it till the end, but it's gonna be really, really difficult on these conditions. This is your final lap of the race. Our gap behind is 2.5 seconds. Et vous l'avez entendu, la conversation radio qui date d'il y a 2-3 tours, hein, comme à chaque fois, avec Kimi Raikkonen qui revient sur Van Dorn, qui a dit à son ingénieur, Jeff, je ne peux rien faire, la voiture est partout, c'est inconduisible, et le but est de ramener maintenant cette voiture à la deuxième position, ce qui ne s'annonce pas simple, hein. Alors qu'on indique à Van Dorn que Verstappen a récupéré de la vitesse. Regardez l'état des pneus qui est beaucoup plus dégradé sur l'avant. C'est pas simple. Attention ici avec une bagarre entre Marcus Ericsson et Max Verstappen, dont le ponton de la Red Bull a été bien endommagé.
Eh bien, Marcus Ericsson qui a fait de la résistance face au pilote néerlandais. Allez, le dernier tour pour Fernando Alonso qui va s'imposer dans ce Grand Prix de Malaisie. La victoire va revenir au pilote espagnol dans quelques instants. Vous ne le voyez pas, il est dans le troisième secteur. Voilà, tout comme Stoffel Vandoorne avec 2 secondes 1 sur Raikkonen. Il a encore perdu 1/2 seconde dans ce deuxième partiel. Voilà, Alonso qui arrive. Le dernier freinage et ce sera la victoire pour le pilote espagnol avec la McLaren. Il revient donc à 13 points du leader du championnat Stoffel Vandoorne. Voilà, c'est fait, victoire de Fernando Alonso. Alors, va-t-on avoir droit à un doublé de l'équipe McLaren? La réponse avec les images qui doivent nous être apportées de Stoffel Vandoorne. Oui, il a gagné Alonso, il est content. Et Vandoorne, ça va tenir. S'il n'y a pas d'erreur à la réaccélération, il va se placer deuxième juste devant la Ferrari de Kimi Raikkonen. C'est fait, voilà, il est content Vandoorne. Et oui, on revient de loin chez McLaren avec ce doublé. Thanks to you, Jeff, and thanks for the team for this awesome car. The first team was just a dream. Thank you so much. Fernando Alonso, vainqueur en Malaisie. Retour de nouveau sur la plus haute marche du podium pour l'équipe McLaren avec un doublé. Ça ne leur était plus arrivé depuis très longtemps. Et ça va encore faire mal au championnat constructeur. La désillusion de Valtteri Bottas, sixième de ce Grand Prix alors qu'il luttait pendant longtemps pour le podium. Et les vainqueurs qui arrivent sur ce même podium alors que la nuit est quasiment tombée ici en Malaisie. Regardez cette joie sur le visage de Fernando Alonso. Vandoorne a l'air content aussi hein, finalement. Ils font tous les deux une bonne affaire au championnat et le champagne qui désormais... si c'était nécessaire, rafraîchir les esprits qui avaient déjà été bien chaud. Allez, l'entente a l'air encore cordiale entre les deux pilotes, même si oui, c'est pas la grosse embrassade. Les résultats de ce Grand Prix avec donc Alonso qui remporte la course devant Vandoorne et Raikkonen. Mauvaise performance pour Bottas et Daniel Ricciardo. La Manor de Arianto retrouve les points, tout comme Esteban Gutiérrez. Un point pour la Haas de Kevin Magnussen. Par contre, derrière, eh bien, on a perdu de nouveau la Red Bull de Verstappen avec ses soucis mécaniques. Esteban Ocon et Lance Stroll ont abandonné sur casse mécanique. Le classement général de ce championnat avec les 270 unités de Vandoorne. Et ensuite, eh bien, c'est la voiture de son équipier qui suit. Ils ne sont que 3 à ne pas avoir marqué de points. Avec, vous le voyez, McLaren qui, de nouveau, augmente son avantage. Et bien voilà pour ce Grand Prix de Malaisie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course passionnante avec des changements de conditions météo. Vous avez la confirmation que c'est terminé. McLaren n'évoluera plus dans le but peut-être de protéger sa voiture de l'année prochaine de ses pilotes qui ont donc de moins en moins d'informations. Et la saison s'annonce tendue. On se donne rendez-vous pour la suite de la tournée asiatique. Ce sera du côté de Suzuka avec son 8 et sa grand roue. Merci à toutes et à tous. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, les amis, bon amusement en piste sur votre simulation préférée, quelle qu'elle soit. À la prochaine, au revoir.